Master, Caroline Garcia bat Caroline Wozniacki et peut toujours croire aux demi-finales. Caroline Garcia a bouclé son premier tour au Master de Singapour. Deux victoires, mercredi face à Elina Svitolina et vendredi matin contre Caroline Wozniacki, et une défaite face à Simona Halep pour sa première sortie dans le tournoi lundi. Pour savoir si elle continue l'aventure et entre en demi-finale, la joueuse française doit attendre le résultat du match entre Halep et Svitolina, à partir de 13h30, et espérer une victoire de l'Ukrainienne. Vendredi, face à Caroline Wozniacki, le match ne pouvait pas plus mal débuter. La Danoise a corrigé son adversaire dans le premier set, prenant trois fois son service, réalisant deux jeux blancs pour finalement l'emporter, 6-0, en seulement 22 minutes. Caroline Garcia a accumulé les fautes directes lors de cette première manche. Avant de se ressaisir dans le set suivant. Garcia est montée en puissance, cette fête plus précise et a breaké à deux reprises Wozniacki. La Française s'est échappée à 5-2 et n'a pas été rejointe, 6-3. Dans la troisième manche, c'est la Danoise qui a frappé la première, prenant le service adverse pour la cinquième fois. Mais Caroline Garcia n'a pas flanché. Menée 3-5, elle a réussi un nouveau break pour égaliser à 5 partout. Puis a sauvé son service alors qu'elle était acculée à 0-40. Et, alors que Wozniacki servait à nouveau, Caroline Garcia a continué d'attaquer et, à la deuxième balle de match, a finalement décroché la victoire et donc le droit de rêver à une demi-finale de Master.